Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne Twitch du DFCO pour ce deuxième numéro de DFCO 360. Ce soir, on a un programme assez alléchant avec JCP qui est déjà en place. Jesse suivra Alain Faircoq, notre défenseur du DFCO. Sébastien Degrange, le directeur du centre de formation, sera également avec nous et on terminera la soirée avec coup de projecteur avec Thierry Thuneau, président de l'association Coup de Pouce. JCP, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, tu passes après le capitaine Daniel Congrès. Tu as pu voir un peu le thème de l'émission? J'ai pu voir un peu, j'ai regardé hier soir, il était sur ma télé en grand écran, donc c'est bon, il a passé la soirée avec nous, Dani. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Jesse, il y répondra dans un second temps. Jesse, on va revenir avec toi sur la qualification de ce week-end contre Saint-Apollinaire. Ça n'a pas été simple, mais le DFCO a fait le travail et a validé son billet pour le prochain tour. Oui, voilà, le plus important, c'était cette qualification. Voilà, comme on dit, il y a un vivant, un mort à chaque fois, à chaque tour. Il fallait gagner, on l'a fait. Maintenant, voilà, c'est sûr, en prenant ce carton rouge au début du match, ça nous a rendu la tâche un peu plus difficile. Mais bon, voilà, le plus important est là, c'est la qualification et le prochain tour dans 2 semaines à Morteau. On joue à l'extérieur dans son stade, c'est paradoxal finalement. C'est magnifique. Le prochain tour, tu le disais à Morteau, contre aussi une équipe de National 3, ça va être un petit peu près le même genre d'équipe que ce que Saint-Apollinaire pardon, a proposé ce week-end. Oui, après un peu similaire. Après, je ne sais pas si on va jouer dans leur stade ou pas. Là, c'est vrai que c'était une chance aussi pour nous de pouvoir jouer dans notre stade. Je crois que l'équipe de Saint-Apo n'était pas pour à la base jouer ici. Ils auraient préféré jouer dans leur petit stade, ce que je comprends. Et ils auraient peut-être plus de chance. Voilà, c'est voilà le stade professionnel. Il y a les grands stades, il y a les tribunes, il y a du monde. Donc voilà, on verra au prochain tour. Premier but pour Valentin Jacob aussi, sous les couleurs du DFCO. Bah ouais, c'est bien, voilà, il travaille chaque semaine pour ça, donc c'est top. Même s'il n'est pas très grand, il a mis un but de la tête, donc c'est une bonne chose. Avant le tour contre Morteau, il y a le derby, ça sera ton premier derby bourguignon. Ouais. Bon, on est déjà dans la préparation de cette rencontre, on est focus, ça y est, on a basculé, on a switché de la Coupe de France au championnat. Oui, automatiquement, voilà, après chaque rencontre, on pense à la suivante. Et puis là, en l'occurrence, c'est un derby, je sais que c'est important ici pour les supporters, c'est important pour tout le monde au club. Et ça nous tient à cœur aussi de faire un bon résultat ici lundi prochain, parce que c'est encore dans longtemps, ça sera lundi pour voilà, faire le meilleur résultat possible à domicile. Tu sens déjà que ça commence à monter un petit peu l'ambiance autour de ce match? Ouais, un petit peu, voilà, forcément, ça nous en parle, ça nous envoie un peu des messages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi, où on sent que voilà, il faut l'emporter. Maintenant, c'est comme à tous les matchs, voilà, c'est un derby, il va falloir mettre les ingrédients pour. Mais derrière cela, il va falloir surtout accrocher cette équipe et l'emporter ici à domicile, parce qu'on reste malgré tout sur 2 défaites en championnat d'affilée. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à Jesse, sur le derby, sur ses premiers pas aussi au DFCO, c'est un nouveau club pour toi. Oui. T'es arrivé cet été, comment se sont passés les premiers mois pour l'instant? Bien, très bien, l'intégration a été bonne, j'ai eu la chance de pouvoir jouer assez rapidement, même si au début de saison on a eu des résultats un peu compliqués. Maintenant voilà, ça va un peu mieux au niveau des résultats, même si comme je l'ai dit on reste sur 2 défaites d'affilée, mais il y a du mieux. Faut continuer, voilà. On a un bon groupe, tout se passe pour le mieux. Chaque semaine, on travaille, tout le travail qui est fait est cohérent. Donc maintenant, comme on dit, le travail la semaine c'est bien, mais il va falloir être performant le week-end et l'emporter. Jesse, avant de passer aux premières questions décalées, on va voir si les gens ont des questions. Allez, on va passer aux questions décalées et puis après on répondra aux questions des internautes. Es-tu prêt, Jesse? Je suis prêt. Alors tu vas regarder j'ai un peu de pression, j'ai un peu de la pression. Tu vas regarder la caméra juste derrière moi, pas de pression, Jesse. Alors c'est pas forcément sa tasse de thé, donc soyez tolérant avec Jesse. Indulgent. Indulgent, voilà. Allez, première question, Jesse, as-tu la pression au moment de répondre à cette interview? Oui. Quelle était ta matière préférée à l'école? Ma matière préférée, c'était les maths. En plus, Pi, 3,14, les maths, c'est cadeau. Combien de fois on t'a fait la blague? Moi, je compte, même moi je me la fais, donc... On a eu vent que tu étais déçu de tes notes sur FIFA 22. Ah bah, alors déçu oui et non, parce que j'ai vu que j'avais des belles, en termes de vitesse et d'accélération, j'étais assez rapide, alors très surpris, mais en termes de qualité de passe, on peut mieux faire. Mais bon, après dans l'ensemble, notre moyenne est bonne, quoi, je vais me satisfaire. Ok. Quel est ton meilleur ami dans le monde du football? Meilleur ami dans le monde du foot, il y a Benjamin Janot, Benjamin Janot qui a joué ici en plus, donc un petit clin d'œil à lui. Et en plus de ça, il a subi une petite opération aujourd'hui, donc petit clin d'œil à lui. Et qui est Benjamin Janot qui est passé en plus par le DFCO. Voilà, exactement. Si. Écoute pas. Vas-y, je t'écoute.
Oui, donc meilleur ami, c'est certainement pas Daniel Congré qui a balancé un petit peu, Daniel. J'ai appris très déçu du capitaine, mais bon, il s'est rattrapé parce que pour la petite anecdote, du coup, le lendemain, il s'est ramené avec 5 gels douche, un pour chaque jour, du lundi au vendredi, le samedi à match, il m'a dit tu te débrouilleras, mais du coup, voilà, donc pour la petite anecdote, c'est top. Donc, gentleman. Ouais. Ah, vraiment, classe. Le petit pont, que tu as mis un coéquipier. Voilà, j'en ai pris beaucoup, mais que j'en ai mis, il ne doit pas en avoir beaucoup à mon tableau de chasse. Ok. À part le foot, quel est ton sport préféré à la télé ? Mon sport préféré, c'est le tennis. J'adore le tennis. Justement, un sportif ou un club dans le tennis ? Plutôt un sportif, ouais, pour le coup. Du coup, Roger Federer. J'aime beaucoup Roger Federer. Ok. En tant que monégasque, as-tu déjà rencontré le prince Albert de Monaco ? Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer. Donc voilà, il faut se lever quand il arrive, quand il rentre dans la pièce, il faut se lever. Son Altesse, Sérénissime Royal, voilà, c'est beaucoup de respect. Ok. Cite trois personnalités, acteurs, chanteurs pour t'accompagner à dîner. Bon, moi je suis pas trop là-dedans. Avec mes potes, j'aime bien. Pas de célébrité, rien, je reste avec mes potes et ma famille, c'est très bien. Personne, ils sont pas connus, c'est très très bien. Ok, combien de points as-tu sur ton permis ? Alors là... T'as le droit à un joker. J'ai le droit à un joker. Non mais celle-là, je peux pas prendre de joker pour celle-là. Non, je vais prendre pour une autre. Je pense que je dois en avoir 9-10, je pense. Ouais, petit excès de vitesse, par-ci, par-là, voilà. Ouais. Mais raisonnable. Toujours sérieux. Père de famille, marié, raisonnable. Oui, raisonnable. C'est important. En retard, tu prends ton carton jaune, voilà, t'acceptes, il n'y a pas de problème. J'accepte la sentence. Ok, un bon petit plat que tu pourrais nous préparer ? Moi, coquillette jambon. Bon, on va pas se cacher, on va mentir devant la caméra. Voilà. Je sais pas cuisiner. Ok, la tâche ménagère que tu détestes le plus ? Tout. passer l'aspirateur. Souvent, en plus, ma femme, elle me dit, tu passes l'aspirateur, il en reste encore derrière, donc voilà. Ok. T'es plutôt quel type de film ou série ? Un peu tout. Ouais, vraiment, ça dépend de mon humeur, de mon moment. Voilà, je peux passer du Game of Thrones, n'importe. Non, franchement, il y a tout. Ok. Ton plus beau voyage, dernière question. Mon plus beau voyage, c'était quand je suis parti aux Maldives. Maldives avec ma femme pour voyage de noces. C'était magnifique. Bon, ça s'est bien passé, cette interview décalée. Bah, c'est fini. Tu vois, t'en redemandes encore. Il y a la roue, t'inquiète pas. Ça arrive, la suite arrive. Ok, alors je regarde s'il y a des premières questions. Un petit souci d'internet, mais ça va revenir. Bon, on va passer à la roue. Si la personne qui pose des questions, tu peux dire la vérité. Non, c'est pas la vérité. C'est que j'ai pas accès là pour l'instant aux questions. Donc c'est pour ça que je cherche. Je vais demander à la technique si on peut me remettre juste les questions pour que je puisse les poser à Jessie. En attendant, on va tourner la roue, Jessie. Alors, je rappelle pour les premiers, s'il y a encore des gens qui découvrent l'émission, si tu tombes sur le rouge, tu dois nous montrer la pire photo de ton téléphone. Le jaune, tu découvres qui se cache derrière les trois visages. Un petit montage sympa. Le bleu, tu réponds à la question corsier du vestiaire. Le vert, on va voir si tu es incollable sur la ville de Dijon. Le violet, tu reproduis l'emoji que tu as devant toi. Et le doré, alors ça c'est la case bonus. C'est moi qui pose la question. Si tu veux, tu peux adapter. Tu peux faire le programme, si tu veux aussi. Parce que Doré, c'est raconte-nous ta meilleure blague ou prenons un extrait de ta chanson préférée. Mais bon, écoute, si tu veux poser une question, tu peux. Allez, vas-y. Faut que je fasse un tour ou non, c'est bon ? Vas-y, fais un tour. Alors, la question jaune. Bah, retourne, on la fera après, la jaune. Ah bon, mais il faut que j'ai la tablette. Tu non, ce que tu veux, il faut que j'ai la jaune. Ouais, retourne, vas-y. Jaune. Alors, vert. Allez, on est parti sur la question. C'est quoi, déjà ? Vert, c'est es-tu un collab sur la ville de Dijon ? Oh là là. Allez, t'es nouveau, t'as droit à un joker comme Daniel la semaine dernière. Ok. Quel est le surnom de la ville de Dijon ? Je dirais. Non, je sais pas, je connais que la chouette à Dijon. Je sais. Cité des Ducs. Voilà. Ah ouais, je l'avais pas. Ok. Allez, vas-y, tu peux retourner. Désolé, j'espère pas vert encore. C'est... Non, on fera autre chose. Rouge. Alors, la question rouge, c'est que tu nous montres la pire photo de ton téléphone. Désolé, c'est le hasard, comme tu peux le voir. Ça fait plaisir. Et du coup, je dois la montrer à la caméra, là. Exactement, tu montreras la caméra juste ici. Du coup, voilà, c'était un petit défi à la maison. Et voilà, savoir si j'étais capable de toucher mon pouce avec mon nez. Donc, voilà. Alors, il va pas le refaire. Bref, vous avez compris, quoi. Oui. Ouais, donc, t'es quand même souple. Ça montre que tu es souple, quoi. Je suis souple. Vous voulez que je refasse en direct ? Allez. Non, ça va être chaud. Non, il est habillé, il a un jean serré en plus. Mais en tout cas, ça montre... Ouais, j'ai une souplesse de hanche, quand même. Souplesse. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, franchement. Allez, vas-y, retourne encore une fois.
Allez, bleu, on va dire bleu. On va dire bleu. Allez, merci. Réponds à la question corset du vestiaire. Oh. Qui est le plus nul au Uno? Wow, Romain Philippotto. Ok. Ah ouais. Allez, on double. Qui met le plus de temps à manger? Qui met plus de temps à manger Bah, j'ai envie de dire moins, mais bah, moi, mais bah, moi. JCP. Ouais, je suis lent. JCP. Je allez, digère en même temps, en fait. C'est ouais, vas-y. Je tourne encore. Tourne encore, ouais. Et puis après, on fera la question jaune. Je vais demander à Benoît qui me ramène la tablette. On est sur la. Je retourne encore, peut-être. Ouais, bah, on va. Allez, bah, question vert. Comment se nomme le maire de la ville? Wow. Bon, ouais, je suis dur là. Voilà, t'es dur. Allez, c'est François Repsam. Ok, merci. Voilà. Merci, là, t'es dur. On passe à la. Du coup, on va passer au jaune parce que on a... tout à l'heure, on n'avait pas la tablette. Bouge pas, je vais te montrer les trois visages. Tu dois découvrir qui se cache derrière. Ça. Oh là là. Enfin, je dirais Chris Rocca. Ouais. Ah, vraiment, j'ai du mal. Hein. Chris Rocca, la chouche comme ça, la tour. Allez, check. Non. Okay. C'est. Non, allez, je vais t'aider. C'est des défenseurs. C'est des défenseurs. Adama? Oui. Adama, il y a Adama, non? Oui. Là, faut m'aider, sinon l'émission elle va durer jusqu'à demain matin. Allez, défenseur. John Panzo. Voilà. Voilà, ça y est, John Panzo. Ok. Donc, si on précise, c'est du coup, c'est les yeux de Christopher Rocca, les cheveux de John Panzo et la bouche de Adama Fofana. Ouais, ok. Voilà. On a eu les questions, Jesse. Tu vois. Okay. La technique revient durant cette émission. Jesse, quel endroit préfères-tu à Dijon? Question de Mo BFP. Quel endroit préfères-tu à Dijon? J'aime bien la Tourzon d'Or. C'est couvert et tout, sympa. Au moins, voilà, on peut aller se promener avec la famille, tranquille. Ok, quel est le plus gros chambreur dans l'équipe? Le plus gros chambreur, je dirais Rome. Chris. Ah, Chris. Chris, ok. Visiblement un supporter troyen. Quel souvenir gardes-tu de ton passage à Troyes? Ah bah, j'ai adoré mon passage à Troyes. J'ai connu la montée là-bas et un titre de champion de France de Ligue 2. Donc vraiment un très bon souvenir de Troyes et de la ville de Troyes, où j'y suis allé hier d'ailleurs faire un petit tour avec ma femme, pour la petite histoire. Voilà, pour les 10 ans de mariage. Pour les 10 ans de mariage avec ma... Non, pas de mariage, qu'on est ensemble. Non. Je t'ai enflammé. Il y a question de Chouette FC. Jesse, peux-tu faire mes devoirs de mathématiques? Ouais, facile, hein, vous n'êtes pas le premier. Hein. Mais bon, tu vois, voilà, il s'adapte, le public s'adapte. Ouais, c'est bien. Bon, bah, écoute, c'est parfait. Il y a Laurine Roche qui marque. J'espère qu'on va gagner le derby. Ouais. Elle sera au stade, Laurine, une supportrice. J'espère aussi. Ok, allez, dernière question, toujours de Mo FBP. Quel est selon toi le meilleur joueur avec lequel tu as joué? Le meilleur joueur avec lequel j'ai joué, je dirais. Je dirais Falcao. Ouais, ouais. C'est pas mal. Ouais, Radamel Falcao. C'était à Monaco, évidemment. C'était à Monaco, ma première année en pro. Voilà, je dirais Radamel Falcao. Et Ecladius, comment conseillerais-tu à un joueur de rejoindre le DFCO? Là, tu passes dans le mode. Tu changes de costume et tu deviens recruteur. Deviens recruteur. Et c'est quoi la question du coup? C'est comment conseillerais-tu à un joueur de rejoindre le DFCO? De jouer avec toi, déjà. Pire. Comment qu'il fasse, qu'il s'entraîne, qu'il... Alors là, joker pour celle-là. Joker, allez, joker. Ok. J'ai droit à joker, non? Oui, t'as le droit à joker. Jesse, bah alors là, faut que tu sois médium maintenant. Donne-nous le score du final du derby. Bah, j'espère 2-0 pour nous. Voilà, au moins, ouais. On se met à l'abri, on prend pas de but, tout le monde est content, on fait la fête, et puis voilà, ça serait top. Voilà. Tiens, doublé de Jesse. Non. Bah déjà, si j'en mets un, ça sera déjà bien. Ok, allez, on va prendre peut-être une dernière question. Je regarde en même temps. Je pense qu'on a fait le tour. Allez, à quel endroit de Dijon tu as répondu déjà? Et bon, bah c'est pas mal, Jesse. Ça va, c'est pas mal. Tu t'en es bien sorti. Ouais, ça va. Le stress du début d'émission est un peu parti, donc ça va. Parfait, merci Jesse, bonne soirée. Merci. Et puis à bientôt. Puis à très voilà. Bientôt. Merci. Allez, on arrive dans quelques instants et c'est Hélène Farcoc qui va nous rejoindre. A tout de suite. De retour dans cette émission d'FCO 360, Jesse P a laissé sa place à Hélène Farcoc. Bonsoir Hélène. Bonjour monsieur. Notre milieu de terrain ou défenseur du DFCO. Elle est arrivée milieu de terrain, maintenant elle est plutôt défenseur. Hélène Farcoc, on va revenir sur ce bon point récolté à Reims où encore une fois à l'extérieur vous montrez de belles choses. Vous avez réussi à ramener un point. C'est resté un match compliqué, avec une attaque qui va très très vite.
C'est pas notre force derrière de la vitesse, mais c'est vrai que c'est un bon point contre un adversaire direct, donc c'est une bonne chose. Encore une fois, un bon résultat à l'extérieur, décidément, c'est votre marque de fabrique cette saison. On aimerait gagner à domicile, on n'a pas fait forcément de très bons résultats, mais on espère se rattraper samedi contre le PFC. Comme JCP, n'hésitez pas à poser vos questions à Hélène, elle répondra sans langue de bois, je vous l'assure. On le disait, donc un bon point à récolter à Reims, maintenant deux gros morceaux entre guillemets qui arrivent avec le Paris FC des samedis, et puis Bordeaux dans 15 jours maintenant, enfin 15 jours il y aura une trêve entre les deux. Deux gros morceaux, comment aborder justement ces deux rencontres ? Ce sont deux équipes candidates pour la Ligue des Champions, donc ça va vraiment être deux gros matchs. On vous attend nombreux et nombreuses samedi à 14h30, parce que ça va vraiment être un match décisif pour nous, un tournant peut-être. Donc voilà, on prend avec beaucoup de plaisir, on va affronter deux grandes joueuses, donc on est excité aussi pour jouer ce genre de match. Première question, déjà de Lenny Dijon. Alors là, on est que mardi, mais est-ce que tu vas jouer ce week-end ? Alors, Chris, appeler Monsieur Forest. Voilà. J'espère. Et Julie aussi, Julie Foot, que tu connais très bien, qui te demande quel score vois-tu pour ce match contre le Paris FC ce week-end ? Je ne vais pas faire langue de bois, mais j'espère un match nul, ce serait un bon résultat face à une belle équipe. Ok. Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter ? Question de Mo BFP. Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter le nouveau centre d'entraînement ? Nous sommes allés faire 2-3 futsals là-bas. On a vu les belles infrastructures et on espère pouvoir bientôt s'entraîner dessus dans les prochains mois. Avec une visite du président aussi qui vous a montré les différents lieux. Et puis après, on viendra avec Sébastien Degrange qui arrive juste après, directeur du centre de formation, sur justement l'avancée de ce nouveau centre de formation. Tu es prête pour la partie 1-2 avec les questions décalées ? C'est parti. Ok, alors, let's go. As-tu la pression au moment de répondre à cette interview ? Tu regardes bien la caméra, juste là. Non. Étais-tu une bonne élève ou plutôt dissipée ? J'étais une élève dissipée, mais avec des résultats corrects. Quel était ton premier poster de foot dans ta chambre ? Je n'ai jamais eu de poster de foot. Ah. Quelqu'un de connu que tu aimerais trop rencontrer ? Gad Elmaleh. Ok. En dehors du sport, quelle est ta passion préférée ? La comptabilité. Quelle est ta chanson préférée inavouable ? Ma mère m'a bercé avec Jean-Jacques Goldman, donc ça serait une chanson de Jean-Jacques Goldman. Ok, il y en a pas mal. Est-ce qu'il y a une playlist dans l'équipe ? Absolument, gérée par Noémie Carrage. Est-ce que si tu pouvais enlever une chanson, laquelle enlèverais-tu ? Toutes les chansons de Léa Declerc, c'est une catastrophe. Ok, c'est plutôt quel style Léa Declerc ? De tout, surtout des morceaux qu'on connaît pas, donc avant un match, avoir un morceau qu'on ne connaît pas, c'est pas extraordinaire. Ouais. Ça reste français, non, plutôt américain, il y a de tout. Léa Declerc, c'est Léa Declerc. Ok, on continue. JCP oublie toujours son gel douche. C'est quoi le JCP chez les féminines ? Léa Declerc. Léa Declerc. Qui me vole tout le temps mon shampoing, mon gel douche. Ouais. Ok, qui est la plus chambreuse du vestiaire ? Solène Barbance ou moi. Ok. Le truc qui peut te faire péter un plomb en match. C'est pas mal. Une décision arbitrale complètement saugrenue. Ok. Après une défaite, Hélène Faircoq, comment est-elle ? La nuit est longue. Je rentre chez moi, la nuit est longue et très calme. Okay. Ça me ressemble pas trop, mais très calme. Un plat gras pour lequel tu craques facilement. Ça, Christophe, il ferme les oreilles, il n'entend pas là. Je dirais une blanquette de veau de ma grand-mère. Ouh, ok. Hélène Faircoq au volant, ça donne quoi ? Musique. Mais contrairement à JCP, moi il me reste 12 points. Voilà. Mais musique et un peu vive quand même. Ok, justement, bah, ta dernière amende. Alors, peut-être tu peux parler dans la vraie vie, entre guillemets, et dans le vestiaire. Dans le vestiaire, oh, je pense un mauvais suivi d'état de forme, on doit remplir un questionnaire tous les jours et j'ai dû le zapper, ça m'est déjà arrivé. Ok, et dans la vraie vie ? J'ai dû avoir un mauvais stationnement à Paris en rentrant chez mes parents, je pense. Ok. Ton lieu préféré à Dijon ? Parc de la Colombière, j'habite à côté et je vais souvent courir là-bas. Et bah, c'était la dernière question, plutôt bien comme JCP, on a des bons clients aujourd'hui. Allez, on continue, il y a des questions qui arrivent, Hélène. Bonsoir, JD TV, bonsoir, es-tu contente d'être à Dijon ? Alors si elle n'est pas contente, je ne pense pas qu'elle va le dire là, non, mais en tout cas... Oui, beaucoup. Ouais, je suis très heureuse. Ok. Alors là, tu prends des risques, mais je la lis quand même, la question. Si tu avais une doléance à demander à ton président, ça serait quoi ?
Oula. Ah oui, oula. Ah là, vous voulez vraiment que le contrat d'Hélène Farcoc ne soit pas reconduit, mais... Je dirais avoir un ou deux maillots gratuits du DFCO pour offrir à Noël. Ok. Vic de Twitch, que penses-tu du début de saison, de votre début de saison, les filles, et celui des garçons? Ben, les garçons ont eu un début assez compliqué, ils se sont bien rattrapés par la suite. Et nous, c'est un peu pareil, on a manqué de solidarité un peu au début et on s'est bien rattrapés par la suite. Donc un peu semblable finalement. Un peu semblable. Ok, on passe à la roue. Tu es Parti. prête? Yes. Allez, quand tu veux. Je rappelle rapidement les catégories pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Montre-nous la pire photo de ton téléphone en rouge. On a vu que JCP était souple. Jaune, découvre qui se cache derrière les trois visages. Bleu, répond à la question corset du vestiaire. Vert, es-tu un collab sur la ville de Dijon? Violet, reproduis l'emoji que tu as devant toi. Et doré, raconte-nous la meilleure blague ou fredonne un extrait de ta chanson préférée. Je vais demander à Benoît encore une fois la tablette, si possible. Et puis après, tu peux y aller. Vas-y. Ah, bah doré. Alors, C'était donc, sûr ça. ah ouais, alors en plus là on n'a rien truqué, c'est naturel. Donc, soit tu nous fais ta meilleure blague, soit tu fredonnes un extrait de ta chanson préférée, ou sinon tu me poses une question parce que Jesse voulait le faire, il n'a pas pu le faire. Qu'est-ce que t'as sur le fond? Ah, bien joué. Alors, malheureusement, je joue au foot en départemental 3 et ce week-end, bah, j'ai mis la tête où un autre a mis le pied. Et du coup, ça. C'est pour ça que je ne mets jamais la tête. Voilà. C'est ça. Et c'est pas le même niveau, moi c'est plus faible. Hein. Vas-y, continue sur. Bleu. Ah, bleu, réponds à la question corset du vestiaire. Qui est la DJ du vestiaire? Noémie Carrage. Ok, on double avec qui se lève le plus tard. Qui se lève le plus tard? Bon, elle est à deux clairs, je pense. Ok, vas-y, continue. C'est ma target. Ah ouais, décidément, ça s'est mal passé avec Léa Declerc aujourd'hui ou comment ça? Ah, jaune. Alors, jaune, tu dois découvrir qui se cache derrière les trois visages. Allez, un portrait sympa. Bertrand, notre infographiste, s'est amusé. Alors, les cheveux, je dirais Elodie. Oui. Elodie Salon. Oui. Le sourire, je dirais. Il y a Lisa. Lisa. Oui. Alors là. Quelle partie du visage j'ai loupé là? Le sourire, le bas du visage. Tu as trouvé les yeux de Lisa, mais c'est plus compliqué, je te l'accorde. Je sais pas, un indice? Ah, bah, l'indice, il est trop facile, tu la connais très très bien. Vous jouez presque. Non. Ah, voilà, ouais, tu vois, c'était compliqué. Je pouvais pas donner plus d'indices que ça, quoi. Allez, hop, vas-y, on va. Rouge. Ah, rouge, bah la pire photo de ton portable. Alors, c'est pas la pire photo, mais tout à l'heure on s'est amusé à prendre avec justement Lisa la gardienne des photos sur le téléphone de Solène Durand. Voilà, tu montres bien à la caméra. Elle est pas très belle. Donc voilà, c'était tout Plus, à l'heure. plus, lève le plus le portable comme ça, ouais. C'est bon pour vous la régie. Ouais, il y a du niveau quand même. On n'est pas très belle, mais c'est pas grave. Allez, ok, on a quasiment fait toutes les catégories. Il va rester les emojis, on n'a pas eu le temps de le faire avec Jessie. Yes. Mais vas-y, tourne la roue pour la fin symbolique. Eh ben, allez. En plus, ça tombe sur. On va dire que c'est violet, hein. Allez. Vas-y, fais-toi plaisir. Je dois faire ça? Oui, à la caméra juste derrière. Ok. Super, merci. Comme on l'a pas fait avec Jessie, malheureusement, tu dois doubler. Voilà. Bravo, Hélène. Merci. C'était Merci à tout. toi, On a tout Jérémy. fait. On t'épargne le verre. Parce que voilà, Jessie a donné deux mauvaises réponses. Donc, du coup, toi, c'est tranquille. Merci, Hélène. Merci, Jérémy. Et surtout, allez encourager les filles samedi contre le Paris FC, 14h30. Exactement. Dans un match important et nos filles pour la première victoire de la saison. C'est ça. On leur a dit pour la première fois ici. Exact. Voilà. Merci à toutes. Je regarde si encore et à tous. Je regarde si encore des questions. Il y a une dernière question. Lenny Dijon. Est-ce que vous visez le top 3 cette saison? Ça serait prétentieux de dire ça. Ok. Ah, dernière, vraiment dernière question qui vient d'arriver. Mappy 1601. Il paraît que tu es la chanteuse de l'équipe. Chante-nous une petite chanson. Un extrait. Alors, est-ce que ce serait pas une joueuse, une coéquipière qui... Mappy. Mappy, c'est le surnom de Solène Durand. Ah, Parce qu'elle bah. sait tout, elle connaît tout, elle voit tout, elle a tout entendu. Ok. Donc pour moi, c'est... Alors, juste un petit morceau de chanson. Tu me mets mal à l'aise, là. Non, mais non. On a droit à un joker? Oui, je joker. Dise... Voilà. Et Solène Durand, sache que malheureusement, toi, tu n'auras pas le droit de joker quand tu viendras dans l'émission. Merci, Hélène. Merci. On va continuer avec Sébastien Degrange et à tout de suite. Et on poursuit cette émission avec Sébastien Degrange qui a pris la place de Hélène Farcoc. Bonsoir, Seb. Bonsoir, Jérémy.
Sébastien Degrange, bon, on va le présenter brièvement, ancien joueur du DFCO et directeur du centre de formation. Posez-lui vos questions également via le chat, n'hésitez pas. Il y a eu beaucoup de questions les semaines précédentes sur Amir, donc Seb a connu Amir, donc voilà. Vous pouvez lui poser vos questions sur Amir notamment, il y répondra. Seb, on va regarder un petit peu avec toi les différentes équipes cette année de la formation. On va commencer avec la réserve. Déjà, première question, au niveau de la réserve, on est sur un effectif de combien de joueurs cette année? Bon, c'est compliqué de parler d'effectifs parce que c'est un mélange de quelques joueurs seniors et surtout de U19 et de la redescente des pros. Donc aujourd'hui, l'effectif global du centre, c'est 56 joueurs. Okay. Voilà, pour trois équipes avec des possibilités de redescente de joueurs professionnels quand ils ne jouent pas ou quand ils ont besoin de temps de jeu, ou alors même de temps en temps U17, des U15 qui viennent avec nous. Justement, question peut-être bête, mais les pros, on peut faire revenir le nombre de pros qu'on veut en équipe réserve? Alors, tant qu'ils n'ont pas joué, oui. Et on peut faire revenir aussi les joueurs de moins de 23 ans qui ont joué qu'une mi-temps la veille. D'accord. Qui sont rentrés en deuxième mi-temps. Ok. Précision importante. Justement, c'est les objectifs de cette équipe, de ces équipes réserve? Bon, c'est d'être le plus haut au classement. Et si on peut monter avec nos jeunes, on montera. Voilà. On reste une équipe, comme l'a dit le président, qui est proche des pros, donc qui a un esprit de compétition. Mais pour nous, c'est aussi d'amener des jeunes. Donc, on ne va pas aller chercher des cadres un petit peu plus haut dans d'autres championnats pour la renforcer. On montera avec nos jeunes par la qualité de nos jeunes. Ok. Justement, on a déjà eu pas mal de pros. Il y a un groupe important de professionnels cette année avec presque 28 joueurs. Il y en a beaucoup qui redescendent. C'est important, justement, avec ces jeunes, de les accompagner avec des professionnels qui redescendent. Oui, alors ça amène un cadre, ça amène aussi leur expérience, leur vécu. Ils sont à leur côté et ça peut leur permettre aussi d'avoir quelques outils, quelques aides de la part de ces joueurs d'expérience. Et puis après, depuis le début, il n'y a pas eu non plus une masse. Sur un match, c'était contre Sochaux, où on a dû avoir 8 joueurs pros qui sont redescendus. Et en plus, ceux qui redescendent, c'est souvent des jeunes, comme on a pu avoir Erwan, Amir ou Yaya. Donc ça reste quand même des jeunes. Qui ont beaucoup joué avec la N3, qui sont passés par la N3 pour voilà, certains. Voilà, c'est ça, tout à fait. Première question, Seb, de Ecladus. Est-ce que le directeur de la formation a un regard sur le recrutement des jeunes ou il est seulement, entre guillemets, gestionnaire? Non, j'ai un regard, mais il y a une personne de confiance qui travaille avec toute son équipe là-dessus. Voilà, c'est plus de l'échange, de la collaboration, et bien sûr que je regarde ça. Question de Gallerose, pas trop triste de prochainement quitter les Pousseaux, pardon. Non, c'est une page qui va se tourner. Alors, on y a vécu, on y était bien, il y avait une proximité avec la ville. Maintenant, quand on voit le bâtiment qu'on va avoir à Saint-Apollinaire, on a plutôt hâte d'aller là-bas dedans. Ok. Question de Mo BFP. Alors, bonsoir Sébastien. Comment expliques-tu que nous ne parvenons pas à garder plus longtemps nos jeunes prometteurs? Après, ça, c'est toute une politique. Et les jeunes, à un moment donné, quand ça ne joue pas, il leur faut du temps de jeu. Donc, soit ils n'ont pas la capacité de signer pro tout de suite et nous, on manque peut-être un petit peu de patience. Il faut qu'ils aillent jouer dans d'autres clubs. Soit à un moment donné, la porte est fermée au-dessus et puis pareil, il faut qu'ils trouvent du temps de jeu. Donc ils partent soit dans des clubs étrangers, soit dans des clubs un petit peu d'un niveau en dessous pour s'aguerrir et puis peut-être ressortir. Mais on leur souhaite qu'une chose, c'est de réussir. Ok, on a parlé de la réserve, on a parlé des U19 entraînés par Mika Elisabeth. Par Mika, justement, même question, est-ce qu'on peut parler aussi d'un effectif pour les U19? Oui, alors U19, il y a deux catégories d'âge, les U18 et les U19, donc c'est les 2004 et les 2003. Ça représente à peu près 23 joueurs, 12 2004 et 11 2003, sachant qu'on a beaucoup de 2003 avec la Nationale 3 et qu'on récupère pas mal. Mika gère aussi pas mal de 2005 qui viennent avec lui. Les objectifs de cette équipe, c'est de les amener justement à se rapprocher du haut niveau. Amika, il est entre deux catégories. Oui. Donc, il prend des U17 à Stefano. Il y a Christophe qui pioche les meilleurs. Donc, ce n'est pas toujours évident de faire une équipe. Donc, il voit au dernier moment un petit peu les remplaçants qui ne sont pas rentrés la veille avec la N3, qui peut lui aussi récupérer, tout comme les pros. Et il fait son équipe avec tout ça. Donc, l'objectif, ça va être un maintien haut dans la première partie de tableau et puis d'aller sortir des jeunes. On sait qu'il y a aussi les clubs amateurs, des fois, à ce niveau-là, c'est important. D'être devant ces clubs amateurs, voilà. Mais il faut savoir que cette équipe, elle peut jouer très jeune. Oui. Voilà, par exemple, ce week-end, on a joué contre Metz, on n'avait que 4 U19. Ah, oui. C'était 2 U17 et 5 U18 qui débutaient. Oui. Donc ça reste jeune, d'où des fois des résultats qui peuvent être un petit peu en dents de scie, mais qui n'enlèvent rien à la qualité de nos joueurs ou du coaching. Justement, tu en as parlé un peu de jeunesse, Coupe Gambardella avec les U18. Est-ce que c'est un objectif, ça, pour le DFCO? C'est surtout une continuité, parce qu'on est invaincu. C'est ça. Alors, on n'a pas pu faire notre quart de finale qui était historique pour le club.
Donc ça reste une histoire qui commence à s'ancrer un petit peu chez les jeunes, cette gambardella. Alors qui dépend des générations, elle a changé, avant c'était le U19, maintenant c'est le U18, la dernière fois c'était le U18. Voilà, ça va être nos 2004, 2005 et peut-être certains 2006 qui pourront la jouer cette année. J'espère qu'ils auront le goût d'aller le plus loin possible dans la compétition, mais ça reste la coupe, donc le tirage joue son jeu aussi. Beaucoup de questions, hein, Seb, pour toi. Alors là, il y a Cladus qui est focus. Je sais que c'est un gros joueur de Football Manager, donc c'est peut-être pour ça. Ah. Comment fait-on pour évaluer le potentiel d'un jeune joueur? Ça s'éveille hein, comme question. Ouais, alors bien entendu, on sait que dans les qualités d'un footballeur, on parle des qualités physiques, mentales, techniques, tactiques. Aujourd'hui, la qualité de vitesse est très importante. Alors, il y a la vitesse sur un 100 mètres, il y a la vitesse gestuelle, technique, et puis il y a la vitesse visuelle, l'intelligence de jeu qui va avoir vite. On avait JCP qui est pour moi, qui fait partie de ces joueurs qui ont vu avant, qui vont aller vite. Alors, il disait que sur sa carte au Football Manager FIFA ouais. Il pensait qu'il n'avait pas la vitesse, mais je pense qu'il a cette vitesse gestuelle et visuelle. Donc, qui compense peut-être l'autre. Donc, voilà. Mais ça fait partie maintenant du football de haut niveau d'avoir une de ces trois vitesses. Si on a les trois, c'est bien. Et on y rajoute l'intelligence de jeu, c'est top. Ok. Question de Vic de Twitch. Que vont devenir les Pousseaux? Les Pousseaux, ça va être repris par la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, où le pôle espoir va intégrer, où toutes les sélections seront là-bas. Il y aura des formations qui seront là-bas. Voilà, c'est la Ligue qui récupère. Question de Islik, j'espère que je prononce bien son pseudo. Comment faites-vous pour attirer des jeunes joueurs quand on sait qu'il y a beaucoup de très bons centres de formation dans la région, Sochaux, Auxerre, Lyon ou Troyes, par exemple? On joue avec nos valeurs. Hein. Aujourd'hui, le club a plutôt des valeurs humaines, familiales. Ça touche les familles. L'outil de travail qui va être important et qui va nous amener aussi à... On en parlera juste après. Ouais, donc voilà, cet outil de travail qui va nous aider. Aujourd'hui, c'est une course de plus en plus effrénée, de plus en plus jeune. Donc, on va peut-être aussi regarder dans notre manière de recruter pour attirer peut-être différemment. Voilà, on sait qu'il y a de plus en plus d'argent là-dedans. Nous, on ne veut pas entrer et mettre la main là-dedans. Donc, à nous d'être différents, de penser autrement et aussi d'apporter d'autres valeurs qui peuvent rassurer les familles sur notre triple projet sportif, bien entendu, pour amener à devenir professionnel, mais scolaire et éducatif aussi pour suivre l'éducation qu'ils ont dans leur famille. Dernière question avant de passer au U17. Combien de personnes composent la cellule recrutement de la formation? Alors, on a une personne à temps plein qui est Thomas Fabre. Après, on a trois recruteurs à temps partiel, okay. Région parisienne, région lyonnaise et l'Occitanie. Et puis après, on a des intervenants qui doublent, qui peuvent être adjoints et qui aident au recrutement. On a tous des anciens joueurs et des anciens du club qui sont nos yeux aussi en bénévolat. Ok, eh ben on va terminer avec les U17 de Stefano Mazzolini. Ouais. Justement, au niveau de l'effectif, combien de paris? C'est 24 joueurs. 11 joueurs. 2006 et 13 okay. 2005. Une volonté de garder un effectif à peu près de ce nombre-là? Oui, en des général, par génération, on est entre 10 et 12 joueurs, 13 d'accord. Grand maximum, okay. Pour aller sur un effectif entre 55 et 60 joueurs pour trois équipes. Ok. Niveau des objectifs de cette équipe U17? Cet objectif-là, c'est vraiment d'être devant les clubs amateurs. Ok. Voilà, on discute pas mal aussi aujourd'hui avec Gérard Bonneau sur une certaine philosophie qu'on va peut-être mettre en place avec cette équipe U17 pour être encore plus solide, plus costaud, pour créer aussi une dynamique dans ce groupe-là. Mais aujourd'hui, on est plutôt bien. Alors là, pour le moment, 7e, mais c'est une équipe qui tous les ans est dans le top 5. Donc voilà, c'est très bien. L'idée aussi est de garder ces jeunes issus de notre préformation, de notre formation. Ouais, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, allez, sur les 56 joueurs qu'on a, je dirais qu'on a un tiers qui sort de notre école de foot préfo, alors, ou de la préfo, ou là. Qui ont fait tout le cursus. Mais c'est à peu près un tiers, 18 joueurs, je crois. Ok, ce qui est pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Oui, ouais, c'est très bien. C'est par génération, quand ça monte, c'est en général entre 3 et 5, 6 joueurs, suivant ce qui arrive en dessous, suivant le recrutement. Ok, donc on a fait le tour. Pour les plus jeunes d'entre vous, Sébastien Degrange a connu plusieurs vies, entre guillemets, au DFCO. On va voir s'il a gardé des bons souvenirs de toutes ces périodes. On lui a sélectionné 5 photos et vidéos. On va voir s'il s'en souvient. Tiens, Seb, je te lance. Je te mets, hop, tu peux lancer là. Ça, c'est la Coupe de France. C'est la Coupe de France avec Rudy. Alors, je ne sais plus si c'est Amiens, Saint-Étienne, Reims. Mais c'était notre épopée où on va jusqu'en demi-finale à Châteauroux. Et ça, c'est un super souvenir. Hein. C'est ma première année dans le staff. Voilà, j'étais arrivé l'année d'avant et là, je rentrais dans le staff avec Rudy.
Et très très grosse expérience enrichissante et puis que des émotions quoi. C'était, on rentrait dans l'ère du professionnalisme avec Rudy qui pour moi a vraiment professionnalisé le club et il y avait quand même un certain état d'esprit amateur dans ce parcours de coupe. On a fait notamment sur la demi-finale un truc, je vais pas mettre Rudy en difficulté, mais on a fait un truc devant les joueurs. Je sais pas si on le refera, on s'était filmé, on avait, bah c'était voilà, pour bon vraiment décompresser, ouais. Et aborder la demi-finale sous un autre angle. Tu peux regarder juste après, je pense qu'il y a une photo avec Fred Bompard. Avec Fred, ouais. Fred Bompard qui est passé au Pousseau il y a pas longtemps. Voilà, bah on faisait partie des deux adjoints. Fred qui était vraiment le bras droit de Rudy, puis moi qui arrivais. Donc on a formé, je pense, une bonne triplette avec toute l'équipe qui nous entourait aussi. Mais voilà, c'est des bons souvenirs. Quelqu'un de charismatique, Fred. Voilà, entraîneur des gardiens aussi. Un trait dans la nuit, il frappait toujours. Voilà, il a laissé peut-être ses cuisses et ses genoux. Voilà, je lui souhaite bon courage. Il passe une VAE, son BEPF en ce moment. Okay. Et voilà, il a fait un bon truc avec Guingamp quand il avait repris. Ok, tu peux continuer. Suivant. Oui. Alors, ça, c'était une présentation. Je suppose. Oui. On est tous en costard cravate. J'ai même la cravate. Waouh. Il y en a qui se foutraient de moi là, hein. Avec la cravate, faudra la montrer celle-là. Non, c'était vraiment sympa. Suivante. Oui. Il y a même David. Sur la photo, c'est vrai. Ouais. Ouh. Alors ça doit être avec un match avec les anciens de Pierre Buenocor. On jouait. Alors je sais pas où c'était, mais avec les anciens. Donc j'ai eu la chance de jouer avec Eric, du coup, carrière. Et le clin d'œil avec Saint-Apollinaire. Oui, parce qu'il y a Pierre à côté, ouais. Pierre Paulin. Voilà. Donc, entraîneur actuel. Le week-end dernier, il y avait beaucoup d'anciens du DFCO. Je crois que c'était 13 joueurs dans le bien public. Oui. Ouais. Et puis, entre les coachs qui sont passés par. Donc, non, que des bons souvenirs. Et dernière photo. Alors, j'ai attaqué, oui, dans mon local vidéo, parce que quand j'étais adjoint, je faisais une équipe de jeunes, je faisais analyste vidéo aussi. Ou monteur vidéo peut-être à l'époque, ouais. Mais non, fallait mettre la main à la pâte, hein. Il y avait peut-être pas tout ce qu'on a aujourd'hui, donc ça reste des bons souvenirs parce que c'est très formateur. C'est terminé, voilà, c'était la dernière question. Il y a beaucoup de questions sur le chat encore pour toi, Sébastien. Une question sur Gérard Bonneau. L'expérience d'un Gérard Bonneau a-t-il eu un impact sur votre travail? Bon, j'ai envie de dire c'est presque exceptionnel d'avoir une personne comme ça, et je pèse mes mots, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'humain, qui a une expérience énorme et qui est là pour échanger, écouter aussi, parce qu'il n'arrive pas avec des idées préconçues. Donc c'est vraiment dans l'échange et c'est formidable ce qu'il va pouvoir nous apporter, et déjà ce qu'il nous apporte. Ok, question de Shizumulu. Combien de clubs partenaires pour la formation? Alors on doit être à 17 avec différents niveaux. Il y a okay. Toute une base de clubs de Côte d'Or qui sont la base, et après on a mis quelques niveaux, des Avenir, des partenaires majeurs. On a quelques clubs aussi partenaires un petit peu plus loin dans les dom-tom. Voilà. Et bah parfait Seb, je pense qu'il n'y a plus de questions, peut-être une dernière, je me tourne vers Benoît, non c'est bon. Et bah merci Sébastien, nos jeunes sont sur le pont ce week-end, ça joue? Oui, ouais, les trois équipes. La N3 qui joue le Racing, donc les leaders qui sont invaincus, donc là-bas, et puis après U17, U19, voilà, U17 contre Sochaux au Pousseau. Et une équipe de Morteau qui était dans la poule de Dijon et que les pros retrouveront en Coupe de France. Ouais, apparemment pas à Morteau, mais comme l'a dit Jesse tout à l'heure, c'est vrai que voilà, c'est des matchs de N3 chez eux, parce qu'on n'aura pas la chance encore une nouvelle fois de jouer à l'extérieur chez nous, donc ce sera chez eux, et puis voilà, c'est... Les clubs franc-comtois, il faut se méfier. Voilà, on terminera là-dessus. Merci Sébastien, bonne soirée. C'était un plaisir, bonne soirée à tous. Et on termine avec le coup de projecteur. Merci Seb. Merci, au revoir. On revient dans cette émission pour la dernière partie. Avant de parler avec Thierry Thuneau, président de l'association Coup de Pouce, on va vous expliquer que juste après le coup de projecteur, il y aura un grand quiz interactif avec deux places à gagner pour le derby contre la JOCR. Ça va être très simple, je vais vous expliquer brièvement en quoi ça va consister. Si vous êtes sur mobile, il faudra cliquer sur l'icône Quiz Kit qui est en bas sur votre écran. Il faudra accorder l'autorisation de sorte que votre pseudo apparaisse dans les tableaux de scores. Ne paniquez pas, il peut y avoir un temps de latence et votre pseudo apparaîtra lors de la deuxième question ou troisième. Enfin, si vous êtes sur PC, il vous faut simplement vous connecter à votre compte Twitch et cliquer sur l'icône QuizKit sur votre écran quand on vous le dira.
ensuite aller sur gérer les accès, accorder. Le but est de trouver la réponse le plus rapidement possible. Thierry, bonsoir. Bonsoir. Thierry, on va vous présenter brièvement. Vous êtes le président de l'association Coup de Pouce, une association qui est partenaire du DFCO depuis longtemps. Est-ce qu'on peut présenter brièvement justement l'association pour commencer ? Oui, alors Coup de Pouce, c'est une association de bénévoles, de parents d'enfants malades. On vient en aide aux enfants atteints de cancer en Bourgogne. Plus généralement, les enfants qui sont traités au CHU de Dijon. Donc on dépasse un peu au niveau de la Bourgogne. On vient en aide par plein d'actions, notamment au niveau du CHU, où on va meubler carrément la chambre de l'enfant. On va financer des ateliers, notamment un atelier de médiation animale qui est aujourd'hui unique au monde, okay. Où on emmène les animaux auprès des enfants malades. De la musicothérapie, de la sophrologie et puis beaucoup d'autres choses pour extraire un petit peu l'enfant du quotidien hospitalier. Ok, quel est le but justement de cette association ? Le but c'est de redonner le sourire aux enfants et à la famille en général. Quand un enfant est atteint de cancer dans une famille, c'est le cocon familial qui explose complètement. Et on est là pour essayer de resserrer tout ça et surtout de permettre aux parents de vivre 24 heures sur 24 le temps d'hospitalisation avec l'enfant. Donc on a mis en place tout un ameublement au sein du service, leur permettant de rester 24 heures sur 24, de faire à manger, une cuisine, de faire leur linge également et puis de rester auprès de l'enfant malade en permanence. Mais on s'attache aussi à prendre soin des fratries, parce que des fratries psychologiquement sont très touchées également. Okay. Le lien entre Coup de Pouce et le DFCO depuis ces Le lien est très ancien, puisque ouais. Coup de Pouce est né en 2001, en octobre 2001, et depuis les débuts, le DFCO était partenaire de Coup de Pouce, avec de multiples actions. Je ne sais pas si on y reviendra par la suite on peut en parler. Donc, des visites des joueurs auprès des enfants malades hein, qui apportent énormément de soutien auprès des enfants et auprès des familles. Des demi-journées d'initiation aussi où on a une confrontation où les enfants peuvent jouer et s'entraîner avec les joueurs. Ça leur apporte également beaucoup de bien-être. Et les joueurs du DFCO qui viennent souvent pour le spectacle de Noël donner des cadeaux aux enfants que le Père Noël apporte. Quoi. Beaucoup s'investissent, mais surtout Frédéric Samaritano depuis ces longues années aussi. Ouais, Fred est parrain de l'association depuis 2017. Il nous a contactés par une démarche très personnelle. Il est très très investi et a apporté beaucoup aux enfants, mais également notre relais au sein de l'équipe, comme d'autres personnes au sein de l'ensemble du staff et de la maison des FCO le sont. Quoi. Ok, justement, vous avez débarqué sur Instagram il y a peu de temps, sur Facebook, oui. Sur les réseaux. C'est le moyen pour que les supporters puissent vous aider. Quels sont les moyens, justement que Les moyens, on a notre site, on a Facebook, on a le Insta aussi, oui. Également. Les supporters nous ont déjà aidés, notamment par le passé, à la mise en place de Tombola. Je me rappelle les Téméraires et les Ligons qui avaient participé à la vente des tickets de Tombola. Pour l'achat notamment d'un masque virtuel permettant d'éviter la prémédication chez l'enfant. Nous, ce qu'on attend justement auprès des supporters, c'est de faire connaître un petit peu l'association, pourquoi pas de récupérer aussi des bénévoles, parce qu'on en manque de bénévoles, ouais. Et aussi d'offrir, entre guillemets, des idées nous permettant d'extraire les enfants et les familles de l'aspect, leur habitude, ouais, de leur habitude et puis de l'aspect difficile du séjour à l'hôpital. Des choses simples, organiser des visites ou des choses comme ça avec qui puissent voilà ouais. Ok, bon, on a fait le tour Thierry, ouais. Pour rajouter, on a été complet, très bien, donc très, n'hésitez très bien. Pas à l'aider, aller sur les comptes Instagram, sur les réseaux sociaux, il y a des gens très sympas qui vous répondront si vous avez des questions pour venir aider l'association, n'hésitez pas. Asso, Coup de Pouce notamment, Facebook, Twitter, Instagram, ouais. On a été complet. Thierry, bien. Tu restes avec nous pour le quiz. On va voir si tu es aussi calé pour le DFCO. Donc le quiz, comme je le disais, deux places à gagner pour le derby contre Auxerre le lundi prochain. Donc pour répéter simplement les différentes manières, si vous êtes sur mobile, cliquez sur
l'icône QuizKit qui est en bas sur votre écran. Accordez l'autorisation de sorte que votre pseudo apparaisse dans les tableaux de score. Il peut avoir un temps de latence donc, et votre pseudo apparaîtra lors de la deuxième ou troisième question. Donc ne paniquez pas, tout va bien, votre pseudo sera bien enregistré. Si vous êtes sur PC, il vous faut simplement vous connecter à votre compte Twitch et cliquer sur l'icône QuizKit sur votre écran quand on vous le dira. Après, il faut aller sur gérer les accès, accorder. Et le but est de trouver la réponse le plus facilement possible. Si Bertrand est bon, on peut y aller au niveau des questions dans quelques instants. Vous en profitez pour réviser brièvement vos idées. Les questions sont quand même difficiles, hein. Faut pas se cacher. Il y a Benoît là, qui a bien travaillé dessus. Donc, il va falloir surtout pour les plus jeunes d'entre vous aller chercher dans les encyclopédies. Et pour les autres, tout simplement donner la bonne réponse. C'est bon pour toi, Bertrand ? Allez, donc première question. Quelles sont les deux couleurs de maillot du DFCO entre 1998 et 2005-2006 ? Je répète la question. Vous avez quatre possibilités à l'écran, qui s'affichent à l'écran. Quelles sont les deux couleurs de maillot du DFCO entre 1998 et 2005-2006 ? On laisse les gens répondre. Thierry, la réponse ? Bleu, non ? Il y en a une, mais okay. Normalement, tu n'étais pas censé la donner, mais ce n'est pas grave, c'est la première. Je pense qu'il a beaucoup. Alors, en tout cas, voilà, la première réponse est offerte sur un plateau par Thierry, c'est bleu. Et je vous donnerai la deuxième couleur. Je répète la question, quelles sont les deux couleurs de maillot du DFCO entre 1998 et 2005-2006 ? Bleu, donc du coup bleu, première réponse bleu, Thierry a laissé parler son cœur, il l'avait en tout cas. Personne l'a eu, bon bah voilà Thierry, t'es bon, tu vas gagner tes deux places pour venir, pour venir voir le match, c'est toi qui as été le plus rapide et qui a toutes les bonnes réponses. On laisse aller encore quelques instants pour répondre, je répète une dernière fois la question, quelles sont les deux couleurs de maillot du DFCO entre 1998 et 2005-2006 ? Bleu, la réponse première bleue et la deuxième couleur. C'est blanc. La deuxième, la réponse était bleu et blanc. Thierry, le blanc aussi, tu l'avais ? Oui, plus ou moins. Ouais. Ok, plus ou moins. En tout cas, il avait le bleu. Et ça, c'est sûr, il avait la bonne réponse. On passe à la deuxième question. En 2009, quel équipementier est resté moins d'une saison lié au DFCO avant d'être remplacé par Nike ? Je répète la question. En 2009, quel équipementier est resté moins d'une saison lié au DFCO avant d'être remplacé par Nike. Thierry, c'est bon aussi ça ? Oui, oh, Thierry. C'est lui qui a fait le quiz, Thierry, il est trop fort. Non, je... Après, c'est vrai que les plus jeunes d'entre vous, peut-être, ont un peu plus de mal, mais je dis pas que Thierry est ancien, mais en tout cas, il avait plus la réponse 98 et 2005-2006. Je répète la question, en 2009, quel équipementier restait moins d'une saison liée au DFCO avant d'être remplacé par Nike ? C'est Thierry qui vous donnera la réponse. Quand je lui dirai ? Parce que s'il l'a, sinon, si tu l'as, sinon je la donnerai. Zéro aussi ? Voilà. Bon, bah Benoît a mis la barre trop haute. Thierry, est-ce que tu l'avais ? Non, c'était Jivova. Voilà. Ah. Bon. Eh ben ça va pas. Les scores vont pas être très hauts pour ce premier quiz. Alors après, il faut qu'on tâte un peu au niveau de compétences et de connaissances. On mettra des questions un peu moins dures pour les prochaines. On passe à la troisième question. Je pense que Thierry, tu vas l'avoir celle-ci. Quel record du monde a été battu en 1991 au stade Gaston Gérard ? Je répète, quel record du monde a été battu en 1991 au stade Gaston Gérard ? C'est plutôt une discipline où les Français ont plutôt bien figuré ces derniers temps. Dirons-nous. Notamment un sportif issu de Clermont-Ferrand. Voilà. Et Jesse P qui est dans les coulisses, qui me fait signe qu'il a la bonne réponse, Jesse. Pour ceux qui trouveront, ils auront droit à une vidéo de Jesse pratiquant ce sport-là. Il est souple, ça peut aider pour ce sport. Je répète la question, quel record du monde a été battu en 1991 au stade Gaston Gérard ? Ça serait quand même dommage qu'il n'y en ait aucun qui passe en zéro pointé pour les cinq premières questions, quand même, pour le premier quiz. On donnerait les deux places à Thierry, hein. Enfin, avec plaisir, hein, Thierry, mais... Trois bonnes réponses. Allez, Thierry. Bobka, non ? Voilà, soit à la perche, effectivement.
C'était ça, en 91 au stade Gaston Gérard. Quatrième question. Donc c'était bien soit la perche. Jesse l'avait, le soit la perche. Ah, il est un amoureux du sport, il connaît tout. Il aime bien le tennis, mais il est aussi capable de trouver le soit la perche. Quel match du DFCO possède le record d'affluence de l'histoire de Gaston Gérard? Je répète la question. Quel match du DFCO possède le record d'affluence de l'histoire de Gaston Gérard? Donc Thierry n'a pas les quatre possibilités, mais il y a quatre possibilités qui apparaissent à l'écran. C'était il n'y a pas non plus très longtemps. Ah, je les aide. Allez, c'est ma question, c'est pour moi. Mine de rien, sur cinq questions, il y en a quand même une où Thierry vous a beaucoup aidé. Et celle-ci, je vous aide aussi beaucoup. Je répète la question. Quel match du DFCO possède le record d'affluence de l'histoire de Gaston Gérard? Thierry, c'est bon? Allez, à vous de trouver. Les plus jeunes d'entre vous devraient trouver. C'est pas forcément le match, l'opposition à laquelle on pourrait penser, en tout cas. C'est... Deux personnes ont trouvé, Thierry. PSG, non ? Et non, justement, tout le monde, c'est Lens en barrage. Le match retour, quand on s'est maintenu en barrage. Ouais, en Coupe de France au PSG. Oui, mais je pense que du coup, là, c'était vraiment plein avec beaucoup de Lensois. Et du coup, le DFCO Lens en barrage. D'accord. Elle est à l'heure actuelle, en tout cas, le match qui a recensé le plus de personnes à Gaston Gérard. On va finir avec la dernière question. Et quel joueur a le record d'apparition sous le maillot du DFCO? Je répète la question. Quel joueur a le record d'apparition sous le maillot du DFCO? Peut-être JCP, ça peut être possible. En 20 ans, il serait arrivé le dernier et hop, il aurait fait le record d'apparition. Donc je répète la question, quel joueur a le record d'apparition sous le maillot du DFCO? Et je crois que Sébastien Degrange a le nombre de matchs précis. Je sais exactement, je dirais dans ton sens, comme ça. Je ferai confiance à ta mémoire. Et quel joueur a le record d'apparition sous le maillot du DFCO? Thierry, tu l'as? Steph, non? On peut donner la réponse, donc c'est Steph Mangione. Effectivement, qui a le record d'apparition sous le maillot du DFCO. Et ben voilà. On va vous contacter pour le meilleur d'entre vous. Benoît va revenir vers vous en DM. Et puis comme ça, vous aurez droit à vos deux places pour le derby contre Serres lundi prochain, pour la prochaine journée de Ligue 2. Thierry, merci. On a été complet. Ouais, très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à aller liker, aimer, partager les différentes publications de l'association Coup de Pouce. Et une association très sympa qui est avec nous depuis de nombreuses années. Avant de conclure cette émission, je tenais à remercier à toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette émission, Bertrand, Hélène et Aurélien notamment, Benoît aussi qui était avec nous à la modération, Galoros aussi je pense qui était parmi nous ce soir. Bonne soirée à toutes et à tous, on se retrouve pour le prochain match justement du DFCO contre Auxerre lundi prochain et puis l'émission DFCO 360 version 3, c'est le 30 novembre avec de nouveaux invités. Bonne soirée à toutes et à tous et n'oubliez pas, disponible aussi en replay dès demain matin sur les différentes plateformes des réseaux sociaux du DFCO. Bonne soirée à tout le monde, au revoir.